Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une présentation de mon GPL. Donc il y a une quinzaine de jours j'ai fait poser un GPL sur mon véhicule. Donc j'ai fait poser une bouteille GPL et j'ai une bouteille normale. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ici, vous voyez, c'est à la porte hein, devant, je vais vous montrer. Regardez, porte devant. Donc c'est deux bouteilles. Donc ici nous avons la recharge. C'est pour charger le gaz GPL. Et là, je vais vous montrer. J'ai deux embouts, comme vous voyez, un plus petit, un plus grand. Donc le plus grand, c'est européen. Le deuxième, c'est pour l'Espagne, Portugal, l'Italie. Voilà. Le plus petit, là, celui-là. Donc je vais vous montrer comment que ça marche. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, je mets le plus petit, mais le plus grand, c'est pareil. Donc, on visse ici. On prend le pistolet de la station. On le met dessus. On clique. Et on fait la recharge. Voilà. Bon, c'est un peu bruyant ici parce qu'on a des voisins avec des enfants. Mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on fait la recharge. Une fois que c'est chargé, le pistolet va s'arrêter tout seul. Voilà. Donc ici, hop, ça se visse, vous voyez, c'est facile. Là, je dévisse. Le cache, c'est comme un réservoir de un bouchon d'essence. Hein. Il y a juste à, hop, on clique et c'est tout bon. Donc maintenant, je vais vous faire la présentation intérieure. Juste avant, je vais vous dire que quand on charge la bouteille, il faut bien fermer la bouteille, pour ceux qui ne savent pas. Je me suis fait avoir, moi, le concessionnaire, c'était la première fois. Je l'ai fait ouverte, ça ne marchait pas. Donc, il faut bien fermer la bouteille et après faire le plein. Donc, on va passer à l'intérieur. Ici, nous avons à l'intérieur. Hop. Ça, c'est ce qu'il y a à l'extérieur pour charger. C'est à la porte. Vous voyez. Et là, je vous présente la bête. Donc, la bouteille jaune. 13 kg GPL, surtout bien la fixer, comme là vous voyez, il y a une patte qui tient bien, des bonnes sangles, parce que c'est une vraie bombe, ça faut surtout pas que ça bouge, il faut que ça soit bien fixé. Si ça fixe et ça bouge, c'est pas bon, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc ici nous avons pour l'ouverture, ouvrir, fermer, le manomètre qui indique la consommation. Voilà. Et moi j'ai gardé une bouteille bleue, je vais vous expliquer pourquoi. Mais on peut mettre deux jaunes, hein, c'est pas un problème. Après chacun son choix. Mais j'ai gardé la bleue justement parce que. Donc celle-là, c'est pas un souci, on la charge partout en France. Espagne, Portugal, Italie. Mais celle-là, je l'ai gardée parce que moi, par la suite, je voudrais aller au Maroc. Et au Maroc, il n'y a aucune GPL. Donc pour recharger une GPL, eh ben, c'est Tintin. Donc c'est pour ça que j'ai gardé celle-là. Celle-là, elle se trouve partout. Et celle-là, j'en changerai pas. Donc voilà, après chacun, comme je vous dis, chacun son truc. Mais c'est économique. C'est économique, ça bouffe pas grand-chose. C'est moins cher que celle-ci. Celle-ci est 32,50 €, mais ça peut aller jusqu'à 35 €. Là, en faisant le plein de celle-là, j'ai payé 25 €. Et encore, on peut payer moins cher. Parce que ça dépend où on se trouve. Moi, elle était à 1,06. Moi, je l'ai vu hier dans une autre station. Station Avia, si mes souvenirs sont bons. À 86 centimes. Donc, vous voyez, moi, j'ai eu 25 €. Mais je peux encore avoir moins cher. Tout dépend des stations. Mais là, j'étais pris de court. Et je l'ai chargé tout de suite dans une station qui était chère. Quoi. Donc, voilà. L'installation. Donc moi c'est une bouteille, comme je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 13 kg, parce que moi, si vous préférez, mon socle maintient que 26 kg. Donc 13 et 13, 26, donc je suis bon. Mais après, il en existe en plus petite et en plus grosse. Enfin, en plus grande, je veux dire. Donc après, chacun son voit midi à sa porte. Hein. Moi, c'était juste pour vous donner une idée de ma GPL. Donc le tout... Pour une bouteille plus l'installation, l'installation m'a coûté 880 € chez le concessionnaire. Si j'ai un conseil à vous donner, pour celui que ça intéresse,
Vaut mieux le faire au Luxembourg ou en Belgique. C'est moitié prix. Moi, je l'ai su trop tard, sinon je l'aurais fait là-bas. Donc, c'est sûr que c'est vaut mieux payer dans les 400 quelque chose que 880, quoi. Mais bon, on ne sait pas tout des fois, hein. C'est comme ça qu'on apprend la vie. Moi, je préfère vous le dire. Si ça intéresse, aller en Belgique ou Luxembourg, ou peut-être l'Espagne aussi, je ne sais pas. Normalement aussi, l'Espagne aussi, c'est moins cher. Mais vaut mieux le faire ailleurs qu'en France, parce que ils savent nous plumer. Donc, comme je vous dis, je me suis pris trop tard. Et puis voilà quoi. Voilà pour ce qu'il en est du GPL. Donc, je vous remontre encore les deux. Voilà. En bout français. En bout étranger. C'est tout compris. Hein. Il y a ça, plus la bouteille, plus la pose. Tout est compris. Donc, voilà ce qu'il en est du GPL. Je voudrais remercier mon oncle Francis et Patricia, ma tante Patricia. Ils sont passés nous voir jeudi. Ça fait vraiment plaisir. On a passé une bonne journée ensemble. C'était génial. Je voudrais les remercier. En plus, c'est un abonné. Donc lui, par contre, il a deux bouteilles GPL. Mais lui, il ne va pas au Maroc. Il reste Espagne-Portugal. Vous voyez, donc après, comme je vous dis, chacun ses choix. Hein. Donc, il fait l'Espagne, le Portugal l'hiver, et puis l'été, il est en France. Hein. Là, il est parti sur du côté de c'est Metz, par là-bas. Il va redescendre sur Belfort, et après, il monte en Hollande, vous voyez. Donc, il se promène un peu partout, il a bien raison. Sur ce, bah, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, ainsi que les anciens. Ça fait vraiment plaisir de suivre Changement de Vie. C'est une chaîne voilà, hein, qui a débuté il y a 7 mois à peu près, 8 mois. Et je suis fier de ma chaîne, malgré que voilà, c'est le début. Hein. Après, chacun fait la chaîne qu'il veut. Moi, j'aime beaucoup de chaînes. J'aime beaucoup de chaînes, j'ai beaucoup d'amis aussi. Et voilà, je tenais à vous remercier. Par contre, j'ai juste un petit détail à vous demander. C'est que les personnes qui mettent des pouces en bas, moi, il n'y a pas de souci. Mais dites-moi le pourquoi, parce que ça pourrait me permettre d'améliorer la chaîne ou avoir une discussion avec vous tranquille pour savoir ce qui n'allait pas. Ou voilà, c'est tout ce qui est... Parce qu'après, moi, vous mettez des pouces en haut ou en bas, moi, ça ne me dérange pas. C'est... que vous abonnez, moi, il n'y a pas de problème. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne, je vous aime tous. Vous êtes fidèles, c'est vrai que je suis content. Et moi, ça me permet de, comment vous dire, de me booster. De me booster et de vous faire plaisir et de vous apprendre quelques trucs que moi, j'apprends en même temps. Pour ceux qui vont débuter ou ceux qui débutent tout comme moi. Donc là, on est encore 3 semaines sur Corgirnon. On est encore 3 semaines sur Corgirnon. Et après, nous allons procéder au voyage, comme tout le monde. Comme l'école finit fin juin, donc on a encore 3 semaines. Et après, ben, on s'en va sur Pau. Donc s'il y a des abonnés sur Pau, par là-bas, on va aller descendre par là-bas dans à peu près 3 semaines. Ouais, 3 semaines. On prend la route et puis on descend sur Pau. De toute façon, je vous dirai les itinéraires qu'on fait. Et puis pour ceux qui sont intéressés de nous voir... pour un petit apéritif, enfin voilà quoi, de faire connaissance en réel que des vidéos. Moi, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout, il n'y a pas de problème. Donc, Changement de Vie vous remercie de suivre cette chaîne et je vous dis à bientôt. Merci à tous, merci encore à Francis et Patricia. Et voilà quoi. Et Francis, je te dis bientôt en Espagne. Cet hiver, on se rejoint, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous laisse les amis, je vous fais un très gros bisou, je vous dis au revoir, je vous fais un très gros bisou, et puis à la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse tous, allez, à bientôt et bon courage à tous. Je vous fais de gros bisous, au revoir.